Salut la team, j'espère vous allez bien. Stream battle aujourd'hui, stream battle Inazuma Eleven. Qui sera le meilleur personnage d'Inazuma Eleven? Nous allons savoir ce soir. Stream battle, je vais vous expliquer le concept. C'est simple, 64 personnages d'Inazuma Eleven qui regroupent la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Vous allez voter dans le chat pour votre personnage préféré. Ça va être simple, votez 1, votez 2 et vous allez élire vous-même le meilleur personnage d'Inazuma Eleven. Je serai spectateur de tout ce qui se passe puisque c'est vous qui allez voter. On inverse les rôles, j'en ai marre de faire des tier list. Gna gna gna, je sais pas quoi, gna gna gna, t'as des avis de merde, chérie, t'as des avis frauduleux et tout. Mais on va voir si vous, vous avez des avis de merde et des avis frauduleux, frère. Comme d'habitude, ça fait plaisir, petit pouce bleu, tu connais, bref. C'est parti! Aïe, aïe, aïe. Non, ça commence. Ça commence, ça y est, ça commence. Eric Eagle contre Red Ark. Ça commence direct. C'est déjà la merde. Directos, directos, directos. Va falloir assumer, hein. Va falloir assumer, porter ses couilles. Les amis, je lance le sondage. Eric Eagle avec Ray Dark. C'est parti, les amis. Eric Eagle, votez 1. Ray Dark, votez 2. Aïe, 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 aïe. C'est dommage quand même que Eric Eagle soit directement face à Ray Dark. Parce que Eric Eagle, je le voyais quand même aller assez loin dans la compétition. 3, 2, 1. C'est, les amis, Ray Dark qui l'emporte. Sans surprise. Sans surprise. Faut pas être choqué. Juste un peu le seum. Parce que je pense que Eric Eagle aurait pu être parmi les finalistes, frère. Peut-être quart de finale ou huitième de finale. La Miskin, il se fait sortir T1. Prochain fight. Todd Ironside face à dehors, frère. Non, je pense que ça sert à rien de voter. On est d'accord, on skip. Ça sert à rien. Genre, voilà, vous avez tous voté 1. Voilà, Todd Ironside. Kruger face à Side. C'est parti, les amis. Il faut voter. Il faut voter, les amis. Mark Kruger de la sélection des États-Unis d'Amérique. Hein, on a vu un peu dans la saison 3, c'était stratosphérique face à au Shinobi. C'est cru dans Naruto. Il a cru qu'il a grandi à Konoha ou je ne sais pas où il a grandi, frère. Il est revenu avec Neo Japon. Il est éclaté, frère. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a une coupe de caninos, mais je sais pas ce qu'il fait là. Espérons que Kruger lui explose. Sa gentille maman. Non, c'est Kruger. C'est Kruger obligatoire. Par contre, c'est quand même une dévastation. Hein. Il y a vraiment des gens et vous avez voté Blue Zea. Non, mais vous avez quoi dans les yeux, frère? Sondage terminé. C'est Mark Kruger qui l'emporte haut la main avec 90% des votes. Ouais. Mark Kruger passe au second tour. Ça me plaît. Oh là là. Mais attends, mais on a des failles de fou. Non. Hector Helio de la sélection Kostai, Little Gigantes à Nathan Swift de Inazuma. On rappelle que c'est les 3 saisons d'Inazuma. Ça regroupe un peu tout, tous les personnages des 1, 2 et 3 saisons. Et il va falloir voter. Et on va y aller maintenant. Vous pouvez voter, sondage en cours. Sondage en cours, les amis. Sondage en cours. Votez. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est chaud, hein. On le rappelle, Hector Helio, potentiellement le meilleur joueur du mondial, aussi fort en défense qu'en attaque. Il a fait du mal à tout le monde. Il a foudroyé le mondial sans super technique. Et à côté, on a Nathan Swift. Nathan Swift, il est là depuis le début de la saison 1, saison 2, saison 3. Il a été très important lors de son mondial. Attaque combinée, solitaire, les dribbles. Pour certains, dans le cœur, deuxième ou troisième capitaine de la sélection. C'est un petit peu compliqué, quoi. C'est un petit peu compliqué. Nathan, quand même, est dans le cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup. 3, 2, 1. Et c'est terminé, les amis. Et c'est Hector! Mais non! Mais vous êtes sérieux, là? C'est Hector! C'est pas Nathan. Ah ouais. Je pensais que Nathan allait passer quand même. Faut pas abuser, tu vois. Ah ouais, mais en fait, j'ai vu Nathan, il était au top. Je me suis dit, c'est large. Ça a changé 5 secondes avant la fin. Ok, bah c'est Hector Helio qui passe et qui élimine Nathan au prochain. Oh! Et nous avons Chang Su-Che face à Akilina Schiller. C'est parti! Sixième fight. On rappelle Chang Su-Che, capitaine de la sélection Corée des Dragons. Les amis, finale intercontinentale face à Inazuma Japon pour la qualification pour le vrai mondial. Joueur de foot, ma foi, avec beaucoup de talent. Et d'un autre côté, Akilina Schiller. On l'a vu principalement à la saison 2. Elle a entraîné Raymond pour être la meilleure équipe du monde pour pouvoir anéantir l'Académie Alius. Voilà, on a appris aussi par moment que c'était aussi la grande sœur de Xavier Foster. Et puis voilà, elle est revenue après dans la saison 3 avec Neo Japon. Donc du coup, ouais, Chang Su-Che, tu privilégies le football ou l'analyse tactique. Ça, c'est uniquement à toi de voir, quoi. Et je laisse encore 10 secondes, les amis. 3, 2, 1.
terminé, les amis, c'est terminé. Et c'est une victoire assez facile d'Akilina Schiller avec 68% face à 31%. Chang Soutier, malheureusement, tu dois t'incliner. Akilina Schiller anime potentiellement plus les troupes dans le cœur de la communauté Inazumano. Malheureusement pour toi, Chang Soutier, la porte est par là. Prochain fight est 7ème. Oh là 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 là. Alors là, nous avons un des rois potentiellement de la série Inazuma face à Thiago Torres, le défenseur ultime. On y va, on reste, on respecte un minimum, sauf pour si on respecte pas, on skip. Mais c'est parti les amis, vous pouvez voter. Vous pouvez voter Thiago Torres ou Xavier Foster. Et je pense que nous allons avoir affaire à l'un des plus grands terrassements de ce début de tournoi, Inazuma. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Il n'y a aucun monde où Thiago Torres win. On va mettre fin au vote hein, directement parce que c'est un massacre. Ça ne sert plus à rien de continuer. Xavier Foster a complètement terrassé Thiago Torres avec 95%. Xavier Foster passe au second tour. Quel genre de bagarre ça? Ok, Cadence ou Tom? On pourra dire peut-être frauduleux. Terminer le sondage. Allez, c'est Cadence qui passe. Ça sert à rien. Oh là 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 là. Chester Horse Senior face à Thomas Feld, l'alcoolique de 45 ans qui se croit sur Punk Hazard. C'est parti, le sondage est lancé, tu peux voter. Nous avons d'un côté en première position Chester Horse. C'est potentiellement le plus grand commentateur de Inazuma Eleven. Un commentariste sans bégaiement. Je n'ai jamais vu un mec parle aussi bien que Chester Horse. Et à côté, on a Thomas Feld. Il a fait une semaine de garde à vue pour tentative d'attouchement. On nous a dévoilé sa vraie identité. Il a réellement 45 ans. C'est un alcoolique qui se la bute à la Heineken dans les dortoirs. C'est trop Thomas, donc faut arrêter quoi à un moment donné. Fin du sondage du coup, et c'est Chester Horse qui passe au prochain tour. Et Thomas est éliminé, la sortie c'est par là. Je pense que ça sert à rien de voter. Percival Trevis passe au prochain tour. Ça sert à rien, ça sert à rien. Il n'y a pas un monde où Shadow explose Percy Trevis. Percy Trevis passe au second tour. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant, les amis. D'un côté, nous avons un joueur de foot. Et d'un côté, nous avons Camille. Voilà, Darren Lachance face à Camélia Trevis. Vous pouvez y aller, les amis. Votez 1 pour Darren Lachance. Votez 2 pour Camélia Trevis. Les amis, il faut y aller. Darren Lachance qui est beaucoup critiqué en tant que gardien, mais finalement, au fond, on aime un peu tous Darren Lachance. Et d'un côté, on a Camélia qui est arrivée dans la saison 3 avec une histoire touchante, un joli flashback qui nous raconte qu'elle était amie avec Mark Evans, que son père, il a eu un accident, mais qui a aussi aidé David Evans à s'échapper des griffes de Red Ark, etc. Une histoire réellement touchante par rapport à Camélia, mais bon. Et c'est Darren Lachance qui passe avec 80%, quand même haut la main. Oh la main. Les amis, on commence à rentrer dans des fights assez compliqués. Nous avons David Samford. Un background, ma foi, sympathique avec du Sharp. Et d'un côté, on a Levé. Levé, monsieur vétéran, c'est parti les amis, vous pouvez voter. David Samford qui est arrivé avec la Royal Academy, qui nous a été présenté avec Jude Sharp et King. Une histoire quand même par rapport à ça, un collègue à Jude Sharp. Un ami même, je dirais même, de Jude Sharp. Mais d'un côté, on a Monsieur Vétéran. Monsieur Vétéran est un crack incontesté de Inazuma Eleven. Personne ne déteste Monsieur Vétéran. C'est pas possible. C'est un fight qui est pour moi assez compliqué. Faut dire les termes. Parce qu'en vrai, j'aime bien les deux. Après, mon cœur, il est toujours plus du côté du foot que dans les personnages à côté, quoi. 3, 2, 1. Terminé, les amis. Et c'est Vétéran qui explose David Samford, 56% à 43%. Mais regarde Vétéran, frère, Théma. Même lui, regarde, il me fait de la peine. Ça, par contre, ceux qui votent Joanne, vous n'avez aucune race. Vraiment, parce que même là, toi là qui votes Joanne, derrière ton écran, t'as un petit sourire malaisant parce que tu sais que t'es gênant, frère. Non, faut dire la vérité. Il n'y a aucun monde, même si t'aimes pas Paolo, tu peux pas voter Joanne. Tu l'as vu 4 minutes 45, il a fait « Yaaah ! Multiclonage !» Frère, et à côté, on a Paolo Bianchi, frère. Non, vraiment, ceux qui votent Joanne, vous êtes gênants. Bon, c'est Paolo Bianchi qui explose haut la main Joanne. Suivant. Ah là 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 là, il fallait qu'il arrive à un moment donné. Hamid de Dragonfly passe à la tour. C'est parti. Non, il n'y a pas de skip. Votons un petit peu quand même. Votons, votons, votons quand même. Faut montrer par moment les écrasantes. Genre, tu vois, il y a des personnages, ils sont vraiment ok, d'accord. Mais là, tu vois, comme ça, on montre bien aux fans de la tour que le problème, c'est la tour, quoi. Mais Dragonfly ne peut pas perdre
face à Victoria Vanguard. C'est pas possible. Ouais, non, mais il y a quand même des gens qui votent la tour. Après, les gars, dites-vous, il y a quand même des gens qui voteront la tour pour troll, frère. Pour moi, il n'y a pas un monde où tu préfères Vanguard. Ok, c'est rien de continuer. Fin de sondage. Hamid Dragonfly atomise Victoria. 92 votes. Oh. Alors là... Alors là, frère, Jack le Titan passe au Z. Il vous reste plus qu'à voter, les refs. Jack Walsad, qui est notamment très connu pour son salto passe. Non, en fait, tu vois, des personnages comme Jack, Eric, Eagle, qui se font éliminer comme ça, ça fout la haine, frère. Parce que leurs adversaires sont trop forts. Sont beaucoup trop puissants. Il y a beaucoup trop de tout, frère. Trop compliqué. 3, 2, 1. C'est terminé, malheureusement. Et c'est Zemmour qui l'emporte avec 67% des vote face à 33 pour Jack le Titan. Jack Wallside éliminé. C'est Mourilman au prochain tour. 16e fight, les amis, avec Hurley Kane face à Sahel. Oui, bon, ok. J'ai très vite compris. Hurley Kane. Allez, fin de sondage. Hurley Kane face au tour suivant. Même si le sondage dure 30 secondes, je laisse quand même le sondage, histoire vraiment de montrer l'écrasante. C'est juste pour ça, principalement. C'est juste comme ça, même les frérots de YouTube, ils voient bien que potentiellement, il y a un petit de 10 ans de YouTube, son personnage préféré, c'est Destra. Et pour le coup, elle va se faire destroy par Celia, tu vois. Et comme ça, il t'aima et il se dit, putain, non, Destra, pourquoi? Par Celia en plus. Tout le monde en prend pour son grade. Homme ou femme, il est nul. Celia qui l'emporte. Prochain tour. Inspecteur Gregory Smith face à Valin. Vous pouvez y aller. Ça va être un fight, je pense, assez serré, je pense. Quand même. Parce que, en termes de développement, les deux, ça va. Smith, il a beaucoup apporté, quand même, les deux premières saisons. Après, Valin, lui, on le voit surtout saison 2 et saison 3 avec Eno au Japon. Mais, Inspecteur Smith, il a fait des dingueries, quand même. Hein. Franchement, il était partout, hein, Smith. Hein. Je vous laisse voter. 3, 2, 1. C'est terminé. Et c'est Gregory Smith. L'inspecteur Smith qui l'emporte face à Dvalin. C'était un fight très serré avec presque 300 votes. Et c'est Smith qui l'emporte 51% face à 49%. C'est Smith qui passe. Ok, les amis, on allait y arriver. Il y a beaucoup de goats qui sont pas encore passés. Et fallait que ça arrive. Là, on va rentrer dans des bons goats, je pense. Là, on a éliminé les petites fraudes. Marc Robingo face à Bobby Shearer. Les amis, vous pouvez voter 1 pour Robingo, voter 2 pour Bobby. D'un côté, on a capitaine de la sélection Brésil des rois du football. Une frappe surpuissante, notamment connue comme le roi des attaquants, avec sa fameuse technique tir samba. Et d'un autre côté, nous avons Bobby Shearer qui est là depuis le début. Ami d'enfance d'Eric Eagle, très bon défenseur central de la sélection nationale et qui a aussi fait beaucoup pour Raymond. Tout ça, on le surnomme aussi sur mes streams l'alcoolique anonyme. À voir maintenant ce que vous allez faire. Il y en a dans le chat, ils sont en mode lançons la remontada pour Bobby les refs. 3, 2, 1. Et c'est Mac Robingo qui l'emporte face à Bobby Shearer. 57%. 57% pour Robingo, 42% pour Bobby. C'est Robingo qui passe au tour suivant. David Evans face à Scotty Banyan. C'est parti les amis, vous pouvez voter directement. Voter 1 pour le grand-père de Mark Evans et voter 2 pour Scotty Banyan. David Evans, le grand-père de Mark Evans, on le sait, il a vécu avec nous, même sans être là, à travers les livres et tout ce qui s'est passé de par son histoire. Et d'un autre côté, disons les termes, nous avons Scotty Banyan qui est fait abandonner à Gare du Nord par sa daronne à l'âge de 3 ans. Otto, c'est comme ça frère. Voilà, on choisit pas sa vie, faut être fort. La vie c'est dur, mais faut que tu l'acceptes. Et plus tu l'accepteras vite, Scotty, et plus tu iras de l'avant. Bon, là, ça sert à rien de voter. C'est inutile. Il n'y en a aucun qui est pour Bilal. Un vote par pitié, Chini. Mais c'est juste pour voir que Axel, il aura 98,8% des votes. C'est pas la peine, frère. Bon, c'est Axel Blaze qui gagne. Prochain fight. Yee, la piraterie est sortie. Dylan Keats face à Thor Toutberg. Votez. Est-ce que l'attaquant aux côtés de Mark Kruger, Dylan Keats, vous a plus fait vrimer que Thor Toutberg? Ça, je ne sais pas. Mais c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire et c'est à vous de voter. Ah ouais, écrasante hein, quand même. Hein. Putain, dinguerie. Hein. Ok, fin des votes. C'est Toutberg qui l'emporte. Prochain fight. Yee. Vous pouvez voter, les amis. Vous pouvez y aller. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Vous avez Brice Whittingall, Gazelle, face à Sylvia Woods. C'est plutôt serré, dis donc. Il reste trop de personnages, les amis, dans le tournoi. Ok, fin du sondage. Et c'est Sylvia Woods. Il en bord. Sylvia Woods. Il est là. Il est enfin là. Trio Murdoch face à Sean Frost. Voilà. Bon, c'est rien de continuer le sondage. Sean Frost haut la main avec 91,4.
face au trio Murdoch. Il est là. Il est là. Nous avons Joseph King, gardien de la Royal Academy, qui est revenu avec Neo Japon. Et nous avons qui d'autre que Jude Sharp? Qui d'autre que lui? Voter 1 pour Joseph King, voter 2 pour Jude Sharp. Là, ce n'est pas une question d'influence ou quoi. Et déjà qui va gagner ce duel, c'est impossible de ne pas voter pour Jude Sharp. C'est un roi incontesté d'Inazuma Eleven. Un personnage emblématique qui a marqué l'enfance et qui a marqué le cœur, même toujours des plus grands, d'Inazuma Eleven. On n'aura à jamais une pensée pour lui, frère. Fin des votes directement, c'est à rien. C'est à rien. 92% à 7,9. C'est un massacre. C'est une année. William Glass face à Byron Love. Vous pouvez directement voter, les amis. Le sondage est déjà prêt. Votez 1 pour William Glass. Votez 2 pour Byron Love. On voit un William Glass. Hein, il est là depuis 3 saisons dans le cœur des Raymonais. Celui qui a donné nom aux plus grandes techniques d'Inazuma Eleven. Savoir technique, hein, c'est important. Et d'un côté, nous avons Byron Love, très grand joueur, notamment dans la finale contre Zeus de la saison 1. Ensuite, il est revenu à la saison 2. Petit déclic avec Sean Frost. Ensuite, il est revenu à la saison 3. Il s'est levé un matin, il était coréen. Son meilleur ami, c'était Chang-Chu-Chi, frère. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. C'était arrivé comme ça, banal. Il fallait qu'il revienne, Byron Love. Et il l'a mis dans la Corée. Il s'est dit, nique sa mère, il n'y aura pas de Japon. Fin du sondage. C'est Byron Love qui l'emporte avec 72,3% des votes. Qui détruit littéralement William Glass avec 27% des votes. Le pauvre, j'aime beaucoup William Glass en plus, mais Byron Love a touché en plein cœur certains d'entre vous. Donc Byron Love qui passe au tour suivant. Et nous avons Chester Horse Junior face à Zoulette Rice. Quand même. La Zoulette ne vaincra pas ce soir, c'est pas possible. C'est inconcevable. Bon allez, fin des votes. C'est Chester, il a... C'est bon, ça y est, j'ai compris. Chester passe au prochain tour. Les amis, nous avons Nelly Raymond face à Claude Bacon. La torche, les amis. Vous pouvez voter. Est-ce que Nelly vous a plus touché que Claude? Est-ce que Claude vous a plus touché que Nelly? Nous le saurons à la fin du sondage. Il y en a dit ceux qui votent Nelly, ça, vous avez pas honte. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, wesh. S'ils veulent voter Nelly, laisse-les voter Nelly, frère. C'est pas grave. Ok, fin de sondage, les amis. Et c'est Nelly Raymond qui l'emporte. Je vais pas dire avec facilité, mais plutôt simplement. Bon, je vais quand même faire un vote pour les fans de Jordan Greenway qui nous regardent. Histoire que vous preniez une balle de barrette à moins de 200 dans la tête. Comme ça, si un mec il veut mettre un commentaire sur Jordan Greenway, comme quoi il aurait eu ses chances face à Mark Evans. Comme ça, tu vois bien à quel point ton personnage préféré se fait soulever, frère, par Mark Evans, a.k.a. l'homme qui prend une douche une fois par an, frère. Voilà, fin de sondage. Mark Evans, haut la main. Ça, c'est un beau duel. Un beau duel entre deux mecs forts, mais potentiellement deux fraudes. C'est parti, les amis, vous pouvez voter. Votez 1 pour Edgar Partinus. Votez 2 pour Hidetoshi Nakata. Nous avons d'un côté Edgar Partinus avec sa fameuse technique Sexcalibur. Et nous avons Hidetoshi Nakata avec sa fameuse technique Tir Vaillant. Fin du sondage. Edgar Partinus passe au second tour. Avec 64,8% des votes. Steve Grimm face à Austin Hobbs. Bon, YouTube, s'il y a des fans de Steve Grimm, n'imaginez pas qu'il va gagner, d'accord? On va skipper, histoire de passer au prochain tour. Mais c'est Austin et Kylian Mbappé qui passera, hein? M'en voulez pas. C'est les deux qui manquaient, les amis. Caleb Stonewall et Arthur Hawkins. C'était sûr, c'était les deux qui manquaient. Et nous allons voter, les amis. Vous pouvez voter, les amis. Vous pouvez voter. Est-ce que vous allez voter 1 pour la racaille Caleb Stonewall? Ou est-ce que vous allez voter 2 pour Arthur Hawkins, formé par le Z en cachette pour intégrer la sélection japonaise en tant que défenseur central? Tu votes qui, toi, Shinny? Je peux le dire, puisqu'il y a une écrasante. Je vote Caleb Stonewall. Faut pas abuser, frère. Caleb Stonewall l'emporte avec 82% des votes. Alors, les frères, là, c'était les prémices de la guerre mondiale. C'est bon, vous êtes habillés, gilet pare-balles, vous avez tout pour vous protéger, vous avez un petit bouclier. Parce que là, il reste majoritairement que des gros personnages. Et potentiellement, votre personnage préféré peut être éliminé à tout moment. C'est parti. Premier tour des 16e de finale avec Isabelle Trick et Redar. On va tout faire. Là, à partir de là, on mettra tout, on skippera rien du tout. Parce que tous les personnages qui sont dans ce 16, il y a quand même des gens qui les aiment bien. Donc, ce serait bien qu'ils voient à quel point... Bon, fin des votes. 87% pour Red Arc. 12% pour Isabelle. Red Arc passe en 8e de finale. On commence à rentrer dans des fights beaucoup plus serrés, les amis. Deuxième fight de ces 16e de finale. Todd Ironside face à Mark Kruger.
On le rappelle, Todd qui est là depuis le début. On l'appelle Castorman dans le milieu. Même lui, il se pointe du doigt pour se dire qu'est-ce qu'il fout là. Et nous avons d'un côté Mark Kruger, limite bras droit d'Eric Eagle. On a vu pas mal de techniques, un trio avec son frérot aux lunettes de mouche, Tahkana Metosen. On a vu tir de la licorne, grand Fenrir. Il a été pas mal mis en avant malgré tout, même si c'était pas un personnage majeur, Mark Kruger. 3, 2, 1. Todd Ironside qui passe en 8e de finale avec 51,5% des votes et il élimine Mark Kruger devant plus de 700 personnes. Aïe, 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 aïe. Troisième fight, nous avons Hector Helio face à Akilina Killer. On a déjà parlé un petit peu de ces personnages-là. Nous avons d'un côté le capitaine de Kostai, des Little Gigantes. Finale du mondial, un match historique. Nous avons d'un côté Akilina Killer, entraîneur de renom de la saison 2 et aussi avec Neo Japon lors de la saison 3. Elle a voulu faire la rebelle et tout. C'est à vous de voir, tout est entre vos mains de toute façon. Je ne suis qu'un simple commentateur et spectateur de ce que je vois. Ah ouais, c'est... Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin réellement de continuer le sondage. 85% pour Hector Helio, 14% malheureux pour Akilina Killer. C'était une dinguerie. Et comme dit Mugiwara dans le chat, moi je dis Hagra. Hector Helio passe en 8e de finale. Xavier Foster passe à Cadence. Vos préférés, le X, tapez 1. Vos préférés, Cadence, Sudtown, votez 2. Il y en a carrément, ils ont la flemme de voter tellement c'est Xavier qui atomise Cadence. Ils regardent comme ça. Ça, ça sert à rien que j'écris sur le chat à chier. De toute façon, c'est Xavier qui va gagner. Ça sert à rien de continuer là. Comme ça, vous voyez un peu l'écart. 95% pour Xavier. Voilà, 4% pour Cadence. Là, les amis, je vais vous demander de pas troller. Parce que je sais comment vous êtes. À partir de maintenant, il y aura que des fights durs. Donc, votez réellement pour qui vous voulez voter. Et éliminez pas pour éliminer des personnages. C'est parti, les amis. Le sondage est lancé. Vous pouvez y aller taper 1 dans le chat. C'est simple. Vous avez juste à taper. Là, les amis, il faut que tout le monde vote. Ah ouais, d'accord, ouais. Non, bon, faut voter pas. Votez pas. J'ai très bien compris. Je me suis dit, on sait jamais. J'ai tourné la tête. J'ai vu 90% pour Trévis. J'ai dit, ok, ça veut pas d'hack. Et nous allons mettre fin au sondage directement, les amis. Percy Trévis qui l'emporte avec 87,8%. Ta reine, la chance, face au V. Je vous laisse voter, je vous laisse voter, je vous laisse vous concentrer. Bon, on va stopper le sondage. Taren Lachance qui l'emporte avec 66% des votes. Taren Lachance s'impose. Fallait qu'on y arrive. Fallait qu'on y arrive, soyons forts. Paolo Bianchi, le météore italien, face à Hamid Dragon. Fly. Votez. Je ne peux rien dire et je ne peux rien faire. Paolo Bianchi, connu avec sa magnifique attaque le météore d'Odin, meilleur buteur d'Europe, a beaucoup contribué lors de la saison 3. Hamid Dragonfly qui est là durant 3 saisons. Un caractère extraordinaire. Il a beaucoup sauvé l'équipe aussi. Aïe. En fait les gars, c'est trop compliqué. Mais après Paolo, c'est mon préféré de la saison 3, frère. Bon, je pense qu'il est temps de mettre fin au sondage parce que là, il y a 20% qui les sépare. Malheureusement, les amis, fin de sondage et c'est Paolo Bianchi qui l'emporte avec près de 60% des votes face à Hamid Dragonfly. Malheureusement, il sort du tournoi à ce moment-là et il est tombé contre un poids lourd. J'ai l'impression que là, vous avez été comme Percy Trévis et vous l'avez pas sélectionné pour la sélection japonaise. Là, j'ai l'impression que là, vous l'avez envoyé au coin et il va faire des pénaltys tout seul jusqu'à 23h, tu vois. En train de penser qu'il y a d'autres personnes qui joueront à sa place. Paolo Bianchi passe au prochain tour. Le Z face à Hurley Kane. Pas besoin de redire qui est qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait dans l'œuvre et tout. Le silence en dit long. Un homme va nous quitter ce soir. Respect le Z. Et c'est terminé pour toi. Je pense que si t'avais fait des locks et que t'avais enlevé ton durag, je pense que t'aurais pu faire quelque chose. Ce sera pour une autre fois. Hurley Kane passe à la seconde phase. Votez les amis, votez 1 pour Celia, votez 2 pour Smith. Je suis un peu choqué de ce que je vois, mais pas de problème. C'est le sommeil qui me joue des tours. Oh, sommeil, quoi. Regardez, je suis en train de bailler. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Ouais, les amis, c'est terminé. Celia Hills vient actuellement de sortir sous vos yeux et je trouve ça très grave. Grégory Smith, sachant que là, Celia n'est pas Sylvia, Celia n'est pas Nelly. Sylvia est la petite sœur de Jude Sharp. Elle n'a pas apporté autant que Sylvia et Nelly. Ok, c'est Celia qui passe. Prochain fight. Attention, c'est dangereux. Oh, Robingo face à David Evans. Bon, fin de sondage. C'est David Evans qui l'emporte avec 73% face à Mac Robingo. C'est totalement compréhensible.
Alors là, les amis, s'il vous plaît, c'est potentiellement l'heure des crises cardiaques. Parce que là, j'ai une crise cardiaque à chaque fois que je fais suivant dans les fights. Grande respiration. C'est parti. Oh, Axel, il s'en sort tellement bien, frère. Il est arrivé avec un hot dog dans les mains. Il est en mode... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est 8e de finale, hein. C'est parti, les amis. Vous pouvez voter. Votez 1 pour Axel Blaze. Votez 2 pour Stoutberg. C'est pas moi, hein. Il y a un mec qui l'a dit, même dans les stream battles, Axel, il fait des tapines. Je ne peux pas programmer le stream battle à l'avance. C'est aléatoire, frère. On va skipper, ça sert à rien. Axel Blaze, c'est haut la main avec 95%. Prochain fight. Sean, il s'est dit, oh, bah, je vais faire comme Axel. Oh, ils ont vu qu'il y avait encore Mark Evans et Jude Sharp. Ils ont dit, oh non, maintenant que des tapins. Vu comment se passe le sondage, on va skipper directement. Sean Frost donc passe en 8e de finale. Jude Sharp vs Byron Love. Il faut voter. Jude Sharp, c'est pas un tapin là, ce qu'il est en train de faire. Là, c'est... il montre clairement sa supériorité. Bon, c'est Jude Sharp. Il emporte les frères. Par contre, là, il commence à y avoir de plus en plus de votes. Chester Horse Junior face à Nelly Raymond. Le fight, il est assez serré. Vraiment, vous pouvez faire pencher la balance. Regardez, là, avec ce que je viens de dire, il y a eu 60 votes en plus. Et c'est Nelly Raymond qui l'emporte face à Chester Horse Junior. Prochain fight, les amis, accrochez-vous. Donc, ce sera Austin contre Caleb. Attendez, les gars, imaginez, on fait un 100% Mark Evans. Non! Il a tout niqué! Tu peux pas voter Edgar! C'est impossible! Putain, il a niqué! Il y a eu 90 votes. Il y avait 100% Mark Evans, frère, à l'unanimité. Terminé sondage. Mark Evans l'emporte haut la main, sans difficulté. Prochain fight. Alors là, je vais vous demander de faire un choix, les amis. Votez 1 pour Austin, a.k.a. le Mbappé du mondial. Votez 2 pour Caleb Stonewall, a.k.a. un cerveau aussi développé que celui de Jude Sharp. Sa qualité technique et son équilibre avec son fameux tir du tigre. Et notamment sa tempête du tigre combinée avec Axel Blaze. Et d'un côté, nous avons Caleb Stonewall, celui qui arrive à pousser et à faire évoluer toute l'équipe à lui seul. En faisant courir les gens plus vite, en augmentant la qualité de jeu. Ah là 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 là. Les amis, je pense qu'il est temps de faire une fin de sondage. Austin Hobbs vient de se faire éliminer par Caleb Stonewall. Caleb Stonewall passe au prochain tour. Premier fight. Non mais Redark, il est en train de smurfer le stream battle, cet enculé, frère. Et Todd aussi, il a eu que des adversaires de merde, frère. Je sais même pas comment il est arrivé là. Ok, fin des votes. Redark passe au prochain tour. Fallait bien que ça arrive, les amis. Désormais, il va falloir porter ces putains de cojones. Les amis, nous avons Hector Helio, qui est le meilleur joueur du mondial, face à Xavier Foster, et qui est celui qui a la plus puissante frappe en solitaire d'Inazuma Japon. Votez 1 pour Hector Helio, votez 2 pour Xavier Foster. Et voilà. Bref, Xavier Foster qui l'emporte, sans surprise. Prochain fight, votez 1 pour Percy Trevis, votez 2 pour Darren Lachance. Il vous fait pas tiep là, Darren. Ok. Vas-y, fin de sondage, c'est rien de continuer. Fin de sondage et c'est Percy Trevis qui l'emporte. Là, c'est un gros fight, hein. C'est parti, vous pouvez voter. Votez 1 pour Paolo Bianchi. Votez 2 pour Hurley Kane. Aïe, c'est très serré, hein. 3, 2, 1. C'est terminé, les amis. Et c'est ça s'est joué à rien. Et c'est Hurley Kane qui passe au prochain. Mais là, vous pouvez pas voter Célia, par contre, les frères. Là, c'est David Evans. Genre là, si tu votes 1, c'est que Célia, c'était ton amoureuse quand t'étais à l'école. Mais t'as pas digéré parce que tu pouvais pas traverser l'écran. C'était trop dur à encaisser, frère. C'est une dinguerie ce qui va arriver. On n'a pas eu de chance. Nous allons avoir des finales avant l'heure. David Evans passe au tour suivant pour faire place à Axel Blaze contre Sean Frost. Potentiellement la finale avant l'heure. C'est lancé. Je vais vous demander de tous voter. Je ne dirai rien. Je ne vanterai pas Axel Blaze. Je ne vanterai pas Sean Frost. Juste écoutez votre cœur et votez 1 pour Axel Blaze et votez 2 pour Sean Frost. 3, 2, 1. C'est terminé avec 2 minutes et 49 secondes de sondage. Et c'est Sean Frost qui l'emporte face à Axel Blaze. C'était la finale avant l'heure. Moi, je voulais cette finale. C'était la finale que je voulais. Jude Sharp face à Nelly. Bon, là, c'est Jude Sharp. Ça y est, frère. Fin de sondage. Ça sert à rien de continuer, gros. Bravo, Jude Sharp. Dernier fight de ce 8e de finale. Mark Evans face Caleb Stonewall. Vous pouvez y aller. Fin de sondage. Mark Evans a explosé Caleb Stonewall. Quart de finale. Votez tous. Réveillez-vous, là, ceux qui sont dans leur lit, tout ça, là. C'est parti.
Ah ouais, quand même, hein, je pensais que Reddark il allait plus se débattre. Hein. Ça, elle a une fanbase quand même, Xavier. Bon, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Reddark se fait terminer sur la place publique. Prochain fight. Oh là 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 là. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Ah là 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 là, nous sommes sur un fight très serré. Fin de sondage, ça m'étonnerait la remontada. Percival Trevis qui vient de se faire éliminer par Hurley Kane. Je n'imaginais pas en demi quand même, malgré tout, Hurley. Pour voter, attendez, David Evans face à Sean Frost. C'est parti, le sondage. Non, non, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Je suis obligé de couper le sondage. Par respect pour David Evans. Non, je suis obligé, je suis obligé. Je suis obligé. Parce que là, en fait, le pauvre, là, David Evans, il était au bord d'une falaise. Il essayait de tenir. Et vous, vous étiez en train de lui écraser les doigts. Ok, donc c'est Sean Frost qui passe en demi-finale. C'est encore une finale avant l'heure. C'est... Après, je sais que Jude Sharp, les gens l'aiment. Après, je pense que ce qui fera la différence, c'est que Marc, c'est le prota. Hein. Ça va être trop serré, frère. Ça va être trop serré. Les gars, votez tout, s'il vous plaît. À l'heure, presque 400 votes sur Sean et Axel. S'il faut faire pareil. Tu peux faire pencher la balance. Il y a 50-50. Là, dis-toi, 6 votes, ça fait pencher la balance. Toi seul, tu peux faire changer tout ça, là. 3, 2, 1... C'est terminé avec plus de 300 votes. C'est Mark Evans, le capitaine d'Inazuma Japon, qui l'emporte face à Jucha. Alors je tiens à passer un petit message. Ne soyez pas triste. J'en suis sûr que vous êtes autant fan de Jude que vous êtes fan de Mark Evans. Et j'en suis sûr que vous êtes autant fan de Mark Evans que vous êtes fan de Jucha. J'en suis sûr que vous aimez les deux, mais vous aviez dû faire un choix. C'était trop dur. Moi, par exemple, je suis dans cette position, mais comme c'est moi le grand big boss de ce stream, eh ben je ne porterai pas mes couilles sur ce fight. Les deux, je les kiffe. Allez, fight suivant. Je vous jure que Xavier, il a un parcours favorable. J'aime trop Xavier, hein. Mais Xavier, il a un parcours favorable. Je le jure, votez. Je le jure que Xavier, il a un parcours favorable. En fait, ça me zaffe parce que je sais pas ce qu'il fout là, Hurley, frère. Après, c'est vous l'avez ramené là. Bon, les amis, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que Sean arrivera à sortir l'ogre Mark Evans? C'est parti, les amis. Votez 1 pour Sean Frost. Votez 2 pour Mark Evans pour la finale. Qui rejoindra Xavier Foster en finale de ce tournoi du meilleur personnage d'Inazuma Eleven regroupant la saison 1, saison 2 et saison 3? 3, 2, 1. Et c'est terminé, les amis. Et c'est Sean qui l'emporte face à Mark Evans. 50-50. Depuis tout à l'heure, c'est à 50-50. Depuis le début du sondage. Et à la toute fin, pour vous montrer à quel point ça se joue à rien. 177 votes pour Sean Frost. Et 175 pour Mark Evans. Dis-toi là, il y a potentiellement deux fans de Mark Evans qui sont en train de regarder le live. Mais qui avaient la flemme d'appuyer sur deux et de mettre entrée. Voilà, regarde Raki, il a dit désolé, j'étais en game. Un fan de Mark Evans qui est en train de jouer à League of Legends et il a pas eu le temps de alt-tab et de faire deux entrées. Voilà les frères, ça se joue sur des moments d'inattention. Eh les amis, c'est la finale. Ça reste une belle finale, faut être honnête. On a eu des putains de fights là sur la fin. Il est temps de voter, les amis. Votez 1 pour Xavier Foster. Votez 2 pour Sean Frost. C'est très serré, c'est très 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 serré. Le fight, 51% pour Xavier, 49% maintenant pour Sean. Un coup c'est Sean, un coup c'est Xavier. Un coup c'est depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Xavier qui remonte, Sean qui descend, Sean qui remonte. Xavier, c'est une dinguerie. C'est juste une giga dinguerie. Qui de Xavier Foster ou de Sean Frost l'emportera? Nous aurons la réponse dans quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé les amis, c'est terminé et c'est Xavier Foster qui l'emporte dans cette finale sous haute tension. Alors les amis, oui, ça s'est joué à un vote. Le Xavier Foster a récolté 181 votes et Sean Frost a récolté 180 votes. 181 à 180. Donc si t'es fan de Sean Frost et que t'avais la flemme de voter 2, bah c'est de ta faute. Si t'es indigné parce que t'avais trop envie de pisser ou que tu voulais absolument boire ta canette, eh ben c'est de ta faute, frère. Par contre, les derniers fights étaient incroyables. Hein. Mark Juchar, Sean Axel, Sean Xavier, c'était du 55. Vraiment, c'est une dinguerie. Jusqu'à la dernière seconde, c'est impossible de savoir qui va gagner.
Parce que moi, sur mon compteur, j'ai vu 175 Xavier, 177 Shaun. Et d'un coup, Xavier, il a fait 175, 179. Shaun, il a fait 179. Et après, Xavier, il a fait d'un coup 181. Et après, Shaun, il a fait 180, mais le décompte était terminé. C'était une dinguerie. Pleurez, les fans de Shaun. Après, pour toi, ça s'est joué à un vote, tu vois. C'est pas non plus...